d'accidents, de coups d'arrêt ou pire hein. Non, pas du tout. Un coup d'arrêt, je dirais un accident, oui. On a fauté à la maison. On voulait vraiment se racheter dû à notre faux pas à Massy. On n'avait pas fait un bon match là-bas et on voulait se racheter. On ne l'a pas fait. Il faut qu'on arrive à s'adapter aux conditions qui changent. Au début de l'année, ça se passait mieux parce que le ballon était sec, le temps était plus facile à jouer. Et voilà, là aujourd'hui on a eu du mal, il y a eu un gros combat dans les rucks, chose qui nous a beaucoup pénalisé, et à nous d'arriver à contrer ça pour garder notre système et pouvoir continuer à mettre du jeu. J'ai l'impression que vous avez arrêté la première mi-temps surtout. Ouais, on n'est pas du tout rentré dans la première mi-temps. Ça a été flagrant, je crois qu'ils étaient beaucoup mieux dans le match que nous. Et en deuxième mi-temps, on a essayé de rattraper notre retard. Ça a été difficile. On pensait qu'on était bien parti. Et puis voilà, ils ont été très efficaces, très assez opportunistes. Et voilà, comme j'ai dit, dans les rucks, ils nous ont fait très mal. Et c'est, je pense que c'est là-dessus vraiment qu'ils gagnent leur match. Pour quelle raison, justement, vous avez eu du mal à rentrer dans ce match? La motivation y était pourtant. Ouais, clairement, bien sûr. La motivation y est toujours. J'ai honnêtement pas de réponse précise à donner. Je pense que c'est plus une remise question à. Personnel de tout le groupe à mettre en place, parce que je pense que tout le monde doit préparer son match d'une meilleure manière. Et voilà, je pense que après nos débuts de match seront meilleurs. Après, c'est vrai que c'est un problème qu'on a eu qui est plutôt récurrent depuis le début de saison, où nos débuts de match sont pas assez propres. Donc à nous d'arranger ça et de faire de meilleurs matchs pour pouvoir gagner les matchs à la maison, surtout parce que là c'est vrai que c'est vraiment pas bon pour nous. Il y a eu quelques changements. Vous êtes passé de l'ouverture à l'arrière. Jean-Baptiste est passé à l'aile. Est-ce que ça a perturbé ça ou pas? Honnêtement, je pense pas. Je pense que voilà, moi je suis passé à l'arrière, mais c'est un poste que je connais, où j'ai toujours joué. Jean-Baptiste, qui d'habitude joue à l'arrière, a joué à l'aile à Massy, ça s'est très bien passé. Là, il a rejoué à l'aile parce que sa performance a été à la hauteur de ce qu'espérait le coach. Et voilà, après, il n'y a pas eu plus de changements que ça. Nous, ça ne nous dérange pas, on s'entraîne toute la semaine comme ça. Et voilà, je pense pas que ce soit une raison due à notre faux pas. Merci.